نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من فريق من سيو. Premier point pour nous commencer, nous laissons nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu. Fil et senti manfavé Allah, nous insan, nous pas senti manfavé Allah aussi longtemps qu'il nous pas perdit favé Allah. Dans le langage arabe, ma'rouf ça. Ça veut dire fourdan ou shay. Ça veut dire que quand nous perdit quelque chose, qu'il nous connaît chevalier. Mais quand nous perdit avec facilité, nous pas connaît chevalier. Alors, faveur assise dans la case d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour écouter parole Allah subhanahu wa ta'ala et parole Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, c'est un grand faveur. C'est un grand faveur. Et surtout qui, quand nous finissons la namaz et chant jamat, et nous pouvons continuer assise dans nos places, ça veut dire qu'on nous apprend qui, ben malaika, puis on va y doa pour nous. Allahumma fir lahu arham, parce que nous encore dans la salat. Nous encore puis assise dans nos musallas. En même temps, nous avons l'autre récompense que Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous, comme si dirait, nous faisons la moitié la nuit ibadat. Et quand nous pouvons faire fajr en jamad, ça veut dire nous faisons la nuit ibadat en entier. Ça, c'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Et c'est une devise qui nous met dans nos trésors, c'est une devise qui nous met dans nos trésors pour servir contre Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Moi, je dis franchement, pour moi, c'est inconcevable. Qui, quand on cite un hadith, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on cite un hadith, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui est un jimoun, il est veillé. Et il y a un ayat Coran qui s'est veillé là. Ya yuha alladhina amanu, atri'u Allah wa rasoulahu, wa la tawallaw anhu, wa antum tasma'oun. Ayat Coran, il y a un ayat qui est iman, atri'u Allah, obéye Allah, la surah Anfal, wa rasoulahu, et son rasoul, wa la tawallaw anhu, et n'a pas tout les deux avec lui, wa antum tasma'oun, qui se peut être entendu. Nous, aujourd'hui, nous, musulmans, ça fait qu'il appelle, faudrait comment dire, un jour, nous commençons à subir, qui bombe et tombe l'eau, nous, là, nous vous dire, nous, le roi de la case, là, nous assisons, nous pouvons prendre, comme un mandjimoun dans la Syrie. Imaginez qui, dans la Syrie, il y a un mandjimoun responsable, il y a un ennemi Allah responsable, mais aussi la masse musulmane syrienne responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui se tu peux faire avec les temps libres, qui se tu peux faire avec la santé, qui se tu peux faire avec la tranquillité et la sécurité qui tient là, dans le moment qui tient là. Est-ce que nous peux servir ça pour nous gagner à akhirat ou ça nous peux servir ça pour nous rester dans la dunia? Après, quand nous perdons, elle est là qui nous prend conscience. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait zulum le souman ibad. Allah subhanahu wa ta'ala yuridu dhulman lil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala li ou la facilité yuridu Allah bikum al yusra. Allah ou la facilité. Si nous nous parlons la facilité, qui Allah subhanahu wa ta'ala pour faire avec nous, qui pour arriver? Si nous nous parlons la facilité, Njimoun, écoute ce hadith là. Mon cité de Fajr, de Maghrib. Njimoun, ma min muslimin yatawadda wa yuhsinu al-wudu wa yusalli rak'atayn yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alayhima wajabat lahu illa wajabat lahu al-janna. Un djimoun, il fait des rakats, il fait wazou, comme un bizin fait wazou. Il fait bien, d'après sunna. Ensuite, il fait des rakats namaz. Et quand dans sa des rakats namaz, il fait avec présence d'esprit et présence du cœur. Jannat est obligatoire, loli, subhanallah. Obligatoire. Pas pour dire, li bougain jannat. Non, jannat est obligatoire, loli. Je te connais, ça, jannat est obligatoire. Dans sa hadith, là, il explique nous beaucoup de choses. Parce qu'un djimoun, quand après, quelqu'un, c'est mal, il peut faire ça, là. Un djimoun qui a dit, mais qui est arrivé chez un djimoun, ni coquin, après il peut faire sa dirakat oiseau, et il peut faire avec concentration. Non, djimoun qui est coquin, pas pour faire avec tranquillité. Ça, hadith là, dans Fajr et dans Maghrib, pas qu'un état rentre dans le détail avec ça, hadith là. Nous pouvons donner ce hadith là pour nous commencer à pratiquer, nous tous ensemble, pas avec les autres. Pour nous pratiquer, quand nous oublions, nous regettons notre temps, nous repratiquer, jusqu'à ce qu'il rentre dans nous la vie, ça va être ibadat là. Comment répondre à Zan, quand mon Azim peut donner à Zan, répondre à Zan. Combien de femmes obéir ça? Il n'est pas une affaire facile. Il n'est pas facile du tout pour un djimoun, comment Azan donner, il arrête de travailler, il écoute Azan, il répète. Non. Ça, il y a une affaire, Mujahadatun Nas.
nous vous avons fait jihad avec nos nafs. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Mujahidu man jahada nafsa. Un Mujahid, c'est lui qui l'a guerre avec son nafs. Qu'appelle la guerre avec son nafs? Premier pas, c'est reconnaître ban manquement et ban faiblesse qui nous est. Ensuite, nous l'a guerre avec sa faiblesse là. Passez l'aide Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu pour nous. C'est comme ça qu'il y a un monde qui progresse dans ce dîme. Dans le management, on appelle les affaires pour continuer l'improvement. Qui veut dire ça, un compagnie par exemple, peut marcher, peut travailler, peut gagner profit, sur le travailler, peut gagner bonus, peut gagner overtime, tout peut marcher bien. Dans le management, pas gagner droit à être pour ça. Il veut dire continue, improve, sur qualité, continue, improve, sur produit, continue, improve, sur marketing, continue, pour ce sales, pour qu'il soit capable de continuer à jouir ça, ça va nous faire qu'il peut jouir dans un moment de beau temps. Là. Un mu'min, un musulman, chaque un jour, qui a gagné de cela vie, c'est une occasion pour les rapprocher avec Rabbul Alamin. Quoi, moi? Ça va la guerre qui est musulmane, puis la guerre dans le monde, puis la guerre locale, puis la guerre groupe, puis la guerre. Chacun peut envie de plus beaucoup de monde, chacun peut envie de safe, chacun peut envie de plus beaucoup de monde suivi. Tout ça n'a pas pour servir contre Allah subhanahu wa ta'ala, excepté qui constitue une rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois qu'il nous mort, ça compte là, arrête la même. Comment nous mots finis? Nous pas pour une occasion encore pour dire Allah retourne-moi à ce temps pour assise dans les sons, pour prendre mon madame, mes enfants, faire autre assise dans la case Allah subhanahu wa ta'ala. Moi-même, je dis que nous faisons les sons live. Nous faisons les sons live. Nous pouvons faire les sons live. Nous faisons les sons live pour des gens qui pas capable, des gens loin, puis envie, pas capable de déranger une madame sur Michi par là, les pénames haram pour bouger, les pas capable, ils suivent. Seulement barakat assise dans la case, parmi la case Allah subhanahu wa ta'ala. Apprendre le Coran avec Sunna. Nous pouvons prendre parole qui savant india, parole qui groupe india, parole qui alim india. Nous pouvons prendre 10 paroles Allah subhanahu wa ta'ala et parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas gagné droit, il n'a mon papa cause beaucoup de gens qui dans les sons, il n'a pas gagné droit qui nous piassise pour cause dit Allah subhanahu wa ta'ala, musulman est absent. Qui fait être absent? Ah, tu n'as pas à se manger, non, tu n'as pas à se manger salaire. Tu n'as pas à visiter le docteur, non, tu n'as pas à visiter le docteur de l'autre lire. Non, tu n'as pas à visiter une famille, tu n'as pas à visiter salaire. Non, salaire là, tu n'as pas à prendre dîme parce qu'il est faraz l'autre pour prendre dîme. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit talabu l'ilmi faridu ala kulli muslim, hadith de Tirmidhi. CS connaissance, c'est obligatoire le tout du monde. Obligatoire, pas sunnat ça, CS connaissance, pas sunnat. Surtout quand on dit connaissance, nous peut dire Allah India et que Rasul sallallahu alayhi wa sallam India. Quand on dit connaissance, nous peut dire Allah subhanahu wa ta'ala India et que Rasul sallallahu alayhi wa sallam India. Ce qui nous dit, ce n'est pas connaissance. Ce qui est Allah India qui est connaissance et ce qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, ça qui appelle connaissance. Qala Allah wa qala Rasul. Alors, ça c'est premier point qui me tient envie de dire à mon frère, à mon soeur. Alors, qui fait l'histoire de Moussa alayhi salam? Qui fait nous choisir pour mon papa faire sirah de Moussa alayhi salam? Non. Mon papa explique la vie de Moussa alayhi salam. Non, nous peut guet qui ban leçon iman et non dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Nous qui nous peut apprendre là? Nous peut envie connaître ça l'histoire de Moussa alayhi salam, il répétait dans le Coran 17 fois. Combien de fois? 17 fois. L'histoire de Moussa alayhi salam répète dans le Coran 17 fois. 17 fois Allah subhanahu wa ta'ala répète l'histoire de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam son nom paraît dans le Coran 124 fois. Rasoul sallallahu alayhi salam son nom paraît 5 fois. 4 fois Muhammad, 1 fois Ahmed. Isa alayhi salam paraît 16 fois dans le Coran. Mais Moussa alayhi salam son nom paraît dans le Coran 124 fois. Qui fait? Je pose question, qui fait? Qui fait l'histoire de Moussa alayhi salam? Qui fait? Moi, je n'ai pas parmi ma réponse. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de hadith. Les bons qui quand nous dit Rasoul, tout mon frère, mon soeur dit sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est important, tant que nous pouvons avoir de roule le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut envoyer 10 l'eau nous. À chaque fois qu'on envoie un de roule le Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala envoie 10 l'eau nous. Là, quand j'ai une parole comme ça, là, on dit un frère, il a un droit. Il dit, bah, Asraf, on dit qui? Ou peut dire pas où là? Il a un droit. Il dit, on dit, non, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Azan, qui nous apprend dans après Maghrib, qui nous dit, Ida sami'tum al mu'addina faqulu mithla ma yaqul. Quand le temps mu'addin peut donner Azan, répète des yali, pareil, comment ça qu'il veut dire? Ensuite, thumma sallu alayya. Rasoul sallam dit, ensuite, quand il finit, répète Azan, envoie salat, le mot salat, c'est de roud. Ce qui nous lie à tashahoud. Qui fait? Il dit fa inna man salla alayya salatan, c'est lui qui envoie un salat le mois, un darud le mois, sallallahu alayhi biha ashra. Allah subhanahu wa ta'ala
passe un des routes qu'il envoie le Rasoul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie 10 des routes de l'eau. Qui? Je te connais. Ma frère, ma soeur, m'a dit, si nous faisons, non, j'ai fait tadabbur, c'est-à-dire un djimoun, il prend parole au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il réfléchit, il prend ayat Quran, il réfléchit. Qui nous était nous, un abd faqir, un pauvre, comme on dit en créole, un pauvre diable d'un petit pays, un pays qui est une majorité non musulman, un pays qui, un musulman peut vivre pareil comme un non-musulman, beaucoup parmi nous, un pays qui nous pas connaît arabe, pas nous langage pas arabe, un pays qui nous veut lire namaz même, beaucoup parmi nous pas connaît qui veut lire namaz. Mais seulement au moment où on envoie un daroud, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, il envoie le nous 10. Quelle qualité ça? Et ce qui plie beauté encore, quand un djimoun dit augmente de route le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah résout ce problème de dunya. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit à sa sahabi qu'il fait une pause question au Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il fait une pause question. Et imagine bien, je pourrais remarquer que quand nous faisons les sons, il y a quelque chose qui m'a répété. Il m'a répété dans Jumma, il m'a répété dans Kozri, il m'a répété dans le Khutba. Si je fais un Khutba, il m'a répété. Qui fait? Parce qu'il s'est un pionnier dans nos compréhensions. Ici, qui pionnier m'a dit qu'il y a un sahaba radiallahu anhum ajma'in. De pose question, c'est un ibadat. Pose question, un alim, c'est un ibadat. D'ailleurs, nous ne sommes pas alim. Nous, élèves. Dans Maurice, je ne connais pas, moi personnellement, je ne pas imaginer, je dire pour moi dans Maurice, pour dire Alim dans Maurice, je ne connais pas. Zéro connaissance. Quand on dit Alim, là, nous pouvons causer une autre affaire. Nous pouvons causer une autre quelque chose quand nous causons un Alim. Mais c'est moi, un djimoun ni faux dans Akida, un autre djimoun ni faux dans Usulfik, un djimoun ni faux dans Sira, ça nous est non. Mais quand nous causons Alim, c'est une autre quelque chose. Il ne faudrait pas nous penser que sa frère qui dit dans là, il y a un Alim. Non, nous sommes des élèves de connaissance. Dans ce hadith là, ban sahaba pionnier, ban sentence qui pionnier qui m'ont habitué à dire, quand ban sahaba tu peux vivre avec Rasoul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, pas de tout que tu peux assister avec lui pour prendre connaissance. Il y a du monde, il est busy. Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que quand ban sahaba tu es busy dans le travail, maman tu es busy de prendre connaissance avec Rasoul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est pour ça que sahabi qui nous rapporte plus beaucoup hadith, c'est Abu Huraira radiallahu anhu. Et c'est pour ça que ban westerners, ban gharbiyoun, ban l'Europe et au même ban Shia, je trouve attaque Abu Huraira radiallahu anhu, par exemple, de dire qu'il était là, épilepsie par exemple. Je trouve attaque sur personnalité qui fait si nous réussissons, ce qu'on appelle isqad, pareil comme ban djimoun fait dans Maurice dans le monde. Quand nous pas capables avec un djimoun, nous rejouer le caractère assassination pour qu'il nous diminue ce divan public afin que personne ne pas écoute lui. Alors Abu Huraira radiallahu anhu, ban westerner, je trouve faire une attaque quand je lis ce sirah sur la vie, quand là-dedans je dis qu'il dit une épilepsie, dit fou, il pas tient la connaissance, je dis ban quelque chose qui fait si réussit faire isqad, ça veut dire qui veut dire isqad veut dire récit d'élite Abu Huraira, ça veut dire hadith infiniment. Vous connaissez combien de hadiths, règlements, pas pour rien, si nous disons Abu Huraira, ce hadith n'est pas accepté, par exemple. Ou ça, ban sahaba, ce hadith n'est pas accepté. Get ban shia, je fais takfir. Je fais takfir, veut dire, je dis majorité sahaba kafir. Ban shia, excepté 17 ou bien 18. Au moment où je finis de dire sahaba kafir, excepté 17 restés. Qui peut arriver tout ça, un hadith qui ban sahaba là, incité. Ça veut dire que le hadith a tombé parce qu'il est kafir. Ça veut dire din. Les lèvres nous kafir, ce qui nous envie d'en din. Certes, c'est une raison que ce qu'ils appellent isqat al-sunnah, que ben, l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala, je trouve attaque sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme le Coran, si fait shaitaniyoun. Quand nous reset sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous din infini faussé. Comment nous faisons salat? Allez, comment nous faisons salat? Pena sunna, sunna, ne pliez na sunna, c'est-à-dire. Comment nous pouvons faire namaz? Mon grand namaz dit, qui m'a fait? Qui m'a fait? Allez, qui m'a fait? Mais faire roukou? Comment il grand namaz dit, il fait roukou? Mais pena djibout dans namaz, ou wakoumou lillahi qanitin, il y a djibout. L'indjibout. Ensuite, qu'il fait? Il fait roukou? Pena surah fatiha, pena takbir, pena wazou, pena roussel, n'a rien dans namaz. Il a comptum il a salat, disons, bizaina wazou avec roussel, ça y a sur ayat Quran. Comment vous faites namaz? Pena ayat Quran, ça veut dire comment vous faites namaz? Il fait roukou, quand il fait roukou, il fait sijda. Il pena qiyam bad roukou. Pena debout après roukou, parce qu'au moment, nous réussissons à faire isqad, nous réussissons à delete, ban sahaba,
nous disons que kafir, quand nous disons que kafir, nous hadith résété, quand nous hadith résété, puis nous hadith pour expliquer nous comment faire namas, comment garder rosa, comment donner zakat, ça veut dire l'islam perdit. C'est pour ça qu'il y a un historien de t'expliquer qui Shia, ce formation, c'est un monafekin qui crée ça. Je ne pénètre, je ne réussis à créer une nouvelle conception et dans sa conception-là, crase sunnat là-dedans. Quand nous crase sunnat, ça vient d'une finie détruire à l'islam. Et même ça fait que le Coran y a une fille. Alors, Sahaba, radiallahu anhu ajma'in, je te pose question, tout le temps je te pose question, qui quitte chose pour amener nous vers l'akhirat et qui quitte chose qui empêche nous gagner l'akhirat. Qui fait parce qu'il pose question, c'est un ibadat. Un Sahaba, dans la nuit, il a fait ibadat, de ce ibadat, dans place qu'il fait dua, il a fait des roudes. لدي رسول صلى الله عليه وآله وسلم كم أجعل لك في صلاتي كم يك ما ديم مبود درود مبود يك ما ديم كم يك قال الرسول جدي بي تكع في ان شيء لتم تكع ديزون تفع ان شيء درود بعد تفع دو دوا جنو رسول صلى الله عليه وسلم موافي في بليس الرسول جدي بي في لا موتي لتم تفع درود لا موتي لتم تفع دو دوا جنو رسول مبود في لي توت لون مونتان رسول صلى الله عليه وآله وسلم لجري غفر الله ذنبك وأذهب عنك همك. كيف يجي هذا؟ الله pardon تو من péché et il retire tout ton tracas. Pour qui action? Qui action ça? Darud. Seulement ça veut pas dire pas faire dua là, hein? Faire attention. Faire dua c'est un autre Coran ça. وقال ربكم ادعوني سورة غافر وقال ربكم ادعوني استجب لكم. زت رب إن جزت دمن رب مبو دمن دعاء مبو accepte زت دعاء. Ça c'est ayat Coran. Alors, nous pas qu'à arrêter de demander, mais c'est moi ici pour montrer l'importance faite de route de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça clair. 124 fois, il mentionne non Moussa alayhi salam dans le Coran. Et 17 surahs, il explique bout, surah Araf, il n'a plus beaucoup de détails dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Surah Qasas, 28, il n'a plus beaucoup de détails. Dans surah Taha, il y a beaucoup de détails. Et dans surah Ash-Shu'ara, il y a beaucoup de détails. Ces quatre surahs-là, les assez regroupent l'histoire de Moussa alayhi salam totalement, complet. Après, demander les autres surahs, nous gagnons une additional information pour nous permettre. Ici, le travail que nous faisons, nous prenons tout le surah, nous tirons tout le ayat Coran, ensuite nous divisons dans l'étape qui est arrivée dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Comprends ce travail-là qu'on fait. Par exemple, on finit prendre tout un ayat Coran qui cause tout ayat Coran cause de l'histoire de Moussa alayhi salam et on a ben l'étape avant l'iné, l'étape comment ben Israël rentre dans Misre, dans l'Égypte, ensuite quand ils vivent dans l'Égypte avant Moussa alayhi salam né, quand l'iné, après l'iné, quand ils viennent jeunes, ensuite quand ils quittent l'Égypte, ils allent dans Madian, un autre endroit, ensuite quand ils retournent, ils gagnent Risalat, ils gagnent l'autre pour y annoncer prophétie. Ça c'est ben l'étape. Nous travaillons dans sa leçon qui nous fait, nous prenons tout ça dans l'ayat Coran, qui est dans différents surahs, nous classons d'après l'étape. Ça veut dire que nous gagnons dans une seule étape, des trois surahs, et cause de ça l'étape. Ça, c'est ce qui nous peut passer, Inch'Allah. Right. Qui fait? Question qu'ils ont besoin de poser. Qui fait l'histoire de Moussa alayhi salam? Qui fait l'histoire de Moussa alayhi salam? Une raison, dans notre note, déjà, il y a une raison qui fait dans l'histoire du Coran. Mais qui fait Moussa alayhi salam si répétitif, qui fait un parmi les raisons, un parmi principal, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Bukhari le dit: "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta walau dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumu." Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dit que définitivement zut qui sana c'est-à-dire nous, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous poursuivons le pas de ma communauté précédente, pas par pas, coude par coude. C'est ça que je veux dire, Hala? C'est ça? C'est un hadith que ça veut dire? C'est une information, non? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vais poser une autre question. N'importe qui a répondu, connaît pas important. Si c'est pour qu'ils n'ont pas gagné le sommeil. Est-ce que ce hadith là, il y a un hadith côté un règlement là-dedans ou ça il y a un hadith côté une information là-dedans? Hein? Je ne disais que une explication l'autre avec l'info. Si je rentre le YouTube d'un Jumma dans notre islam, ou qu'une cause dans notre islam,
explique différence entre un ayat Coran et un hadith qui de nous man l'autre, il y a une action bien faite là-dedans, et ben ayat ou bien un hadith qui n'existe information là-dedans, qui n'a information. Ça hadith qui est avec nous là, est-ce qu'il y a une action qui nous bizarre à le faire, ou bien ça hadith là peut de nous une information qui est vraie, qui peut arriver 100%, parce que ça n'a qu'une information nous ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, un Rasul, ce travail, c'est informe l'oreille, l'invisibilité. Parmi ban task, parmi ban task de un Rasul, c'est lui donne information qui Allah donne l'invisibilité, ça qu'on appelle raid. Seulement, est-ce qu'il lui-même lui connaît raid par lui? Ça, Coran, ça. La ya'lamu l'ghayba illa Allah. Personne ne connaît raid, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner nous information ghaib. Par exemple, il peut dire X dans Jannat, Y dans Jannat, Z dans Jannat, ton papa appelle Abdullah, ou papa appelle Abdurrahman, ton dada t'appelle Rahim, ton dada t'appelle Ghafour, toi, ton grand dada, il mot, il t'y peut coquin. Quand il peut donner sa information, qui était ça? Comment appelle ça? Wahi. Nous qui nous payons la guerre, Moussaman qui la guerre, Moussaman peut dire à cause de Hadith, ça veut dire qu'il Rasoul qu'on ghaib. Incroyable ça, incroyable. Assez, un autre répond, non, il n'y a pas qu'on rêve. Non, mais personne pas l'iconé, il n'y a pas qu'on rêve. Personne pas qu'on rêve, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un Rasoul, parmi son task, parmi son responsabilité, c'est Allah donne lui wahi concernant rêve. Et lui donne nous information, ce qui peut passer dans le kabar. Il donne nous information. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il doit résister tout le monde qui prend dans le jannat et dans le jannat. Allah montre qu'il résiste là devant lui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire salat. Allah montre qu'il jannat, il dit, moi, tu es prêt pour prendre mon armée, mon kassan. Un fruit de vie dans le jannat. Mais qui fait? Parce que Rasoul, il est Rasoul. Rasoul, pas comme nous, il y a un wahi. Mais est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il connaît le ghaib? Ça veut dire qu'il connaît l'invisibilité, pas lui-même? Non. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il donne sa information là. Sa hadith là, c'est tout un homme d'accord là. Nous payons un taklif là-dedans. Nous payons un règlement là-dedans. Nous payons une action qui peut demander nous pour faire. Par exemple, ma min muslimin. يحسن الوضوء يتوضا ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين نيبوت كي مسلمان كي فيا وضوء ensuite li perfection ce wazu ensuite li fait des rakat ça hadith là il a action pour nous faire là dans une information tout seul il a action est-ce qu'il ça clair quand rasoul sallallahu alayhi wa sallam ni dit la tattabi'unna le mot lam avec alif lam avec fatha en arabe c'est un harf at-ta'kid veut dire qui pécose avec si attitude. Là. Ittaba'a, yatatabba'u, ça, ittaba'a, yatabi'u. Dans sa tête, la tête tabi'unna, il y a un nom tajdid à la fin. Sa nom tajdid là, il y a aussi un harf qui montrait si attitude. Combien de fois il y a un harf si attitude dans un seul mot? Deux fois. Une fois l'âme au commencement à ta'kid, une fois nom al-mushaddada, il y a aussi à ta'kid. Ça veut dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pécose avec si attitude. Qui lui peut dire ce hadith là? La tête tabi'unna. Définitivement, je te poursuis. Sanana man kana qablakum. Façon de faire de man qui précède je. Man qui vient avant je. Shibran bi shibrin. Pas par pas. Zira'an bi zira'in. Coude par coude. Hatta walau dakhalu juhra dhabbin. Jusqu'à qui? Si, pareil comme il y a lézard du désir, il y a un lézard appelé lézard du désir, il est assez gros. Appelé Bob. En arabe, appelé Bob. C'est un lézard du désir, et il est halal pour manger. Lui, il reste dans le désir, et dans le désir, comme un crapeté, ça veut dire sur la case, il trouve à l'intérieur du sable. C'est mal les différences sur la case, avec un crabe sur la case, un crabe, lui, sur la case droite. Ça veut dire quand vous mettez sa lèvre là pour lui manger, vous mettez lui droite, ou risque ou tiré. Par contre, un bob lit sur la case, à l'intérieur du sable, à l'intérieur lit curved. Il y en a beaucoup de contours à l'intérieur. Ça veut dire difficile, il rentre à l'intérieur tout. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il est arabe, je te comprends bien, qui veut dire bob et qui veut dire sur la case, qui veut dire que quand bob il rentre dans le trou, nous poursuivre bob. Ça veut dire nous poursuivre une communauté précédente, pareil comment si bob rentre sur la case, qui est si difficile à suivre, nous poursuivre ça quand on suivre. من صحابة يا رسول الله فمن من صحابة اليهود والنصارى استي من صحابة
Je veux dire qui sont dans sa communauté précédente, qui sont qui communauté tu veux dire Fars, qui tu veux dire Fars, tu veux dire Rome, qui tu veux dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Manandia, tu veux dire juif avec chrétien, il y a Rasoul Allah. Est-ce qu'il veut dire nous poursuivre le pas du man juif et du man chrétien? Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Faman, dire, mais qui les autres encore? Et un autre riwaya dit Al-Faris ou Rom. Al-Faris, c'est Iran, un petit bout dans l'Irak. Et Rome, normalement, c'est Constantinople, c'est l'Europe, c'est un bout dans la Turquie. Ça veut dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si nous prenons deux hadiths qui sont dans Sahih Bukhari, il peut montrer nous que nous poursuivons le pas de quatre communautés précédentes. Yahoud, Nasara, Faris, avec Rome. Mais l'histoire de Moussa alayhi salam avec Banu Israël qui est arrivé. Ça veut dire, quand nous pouvons lire l'histoire de Moussa alayhi salam et Banu Israël, c'est un banem qui n'a pas besoin de Yahoud quand on a un iman, le Moussa alayhi salam. Quand nous pouvons lire ça l'histoire là, nous pouvons étudier ça l'histoire là, nous pouvons trouver qui ban quelque chose qui ban Israël, c'est-à-dire ban Yahoud, zone déviée dans un iman. Première déviation de qui ça fait dans iman. Un exemple. وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت اليهود ban Yahoud fin dire عزير en parmi ban Anbiya alayhi salam ibn Allah, les garçons Allah. Ça, erreur là, il y a une erreur dans nos iman ou ça, il y a une erreur dans nos actions? Hein? Iman. Ça veut dire dans le Coran, il déchiffré pour nous, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un Coran qui est une clarification de toutes choses. Tibian et Nikoli Shei, premier leçon, on vient expliquer que le Coran, il y a une clarification de toutes choses. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il enseigne nous, ban. Également conceptionnel, imanique de Banu Israël. Un exemple d'un zut. Qu'est-ce qu'on dit? وقالت اليهود عزير ابن الله. Ban Yahoud, il dit عزير ابن الله. Ça, c'est une erreur. Qui erreur ça? Aqida, iman, ou bien une erreur d'action? Iman. Allez, raide. Allah subhanahu wa ta'ala dit واسأل القرية التي في حاضرة البحر. Concernant Ashab al-Sabt, les gens de Sabt, de samedi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il explique concernant le gens de Sabt. Qui va le faire? Allah subhanahu wa ta'ala, il en pèse pour la paix samedi. Qui va le faire? Écoute bien, hein? Qui va le faire? Vendredi, vous avez place de filet, vous avez le dimanche. Appelle ça en arabe hila. Ça veut dire une route bypass. Hila veut dire bypass instruction Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça erreur là, une erreur conception ça ou ça d'action? Action. Nous avons dit erreur là. Une erreur de conception, une erreur d'action. Ça veut dire nous, musulmans, quand nous lisons ça dans l'ayat Coran là, c'est un avertissement pour nous que nous, Habib sallallahu alayhi wa sallam, il finit de nous une information qui avec yakin, qui est vrai, qui peut arriver définitivement, qui nous peut suivre, ban Yahoud, ban Nasara, quand nous pouvons lire, ban Ayat Quran, quand montrez-nous déviation de ban Yahoud dans notre conception, dans notre ibadat, dans notre halal, haram, dans notre manger. Ban l'en fait, ban manger qui n'est pas haram, haram. Dans Surah Maïda, Allah subhanahu wa ta'ala, appelle Surah Maïda, quand montrez-nous comment ban Yahoud, je ne fais ban action qui n'est pas haram, dans manger, vin haram, Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ça aussi, il n'est pas d'accord, qui même manger qui est halal, qui est mouba, qui fait de me faire vin haram, pas ta responsabilité pour te dire quelque chose haram, ou bien te dire quelque chose halal, ça c'est responsabilité de Rabbul Alamin, Jalla Jalalu, subhanahu wa ta'ala. Alors dans le Coran, il réprimande ban Yahoud pour te faire quelque chose qui n'est pas haram, vin haram. Clair? Et ça, erreur, faire quelque chose qui est haram, pas haram, vin haram, ça c'est une erreur conceptionnelle, imanique, dans Ruboubiya, Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire c'est ban action, qui existe Allah qui a un droit de faire, ban nain prend sa action, je commence à faire des autres mêmes. Qui action? Faire halal vin haram, et faire haram vin halal. Ça, haq la zis pour Rabbul Alamin, Jalla Jalaluhu, et il donne ça aussi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, wa ma atakumur rasulu, fa khudu, wa ma nahakum anhu, fantahu.
la sourate 59, verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ » Ce que les autres rassoules donnent, prend. « وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ » Ce que les autres rassoules, ils défendent, éloignent avec ça. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'ayat Qur'an, en cours de la sourate An-Nisa, verset 80, Allah dit « وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاءَ اللَّهُ » C'est lui qui fait obéir au rassoul sallallahu alayhi wa sallam, qui fait obéir Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalalu. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il donne haq pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam sous wahi et révélation pour lui enseigner nous halal avec haram. Est-ce qu'il y a une clé qui fait l'histoire de Moussa alayhi sallam? Qui fait nous besoin d'apprendre l'histoire de Moussa alayhi sallam et de Banu Israël? Est-ce qu'il s'en finit de comprendre? Ça veut dire pour nous, quand nous pouvons lire ça l'histoire là, nous pouvons apprendre côté et une déviation qui Banu Israël il fait, qui Banu Yahoud il fait, quand on finit avec l'Iman de Moussa alayhi sallam, afin qu'il nous fasse pareil comme eux, pas vrai? Ou ça afin qu'il ne nous pas faire pareil comme eux? Hein? Afin qu'il ne pas faire pareil. Rasoul sallam, et l'eau là qui plie dangereux, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'infini de nos informations, qui ce ummat ne poursuivent pas du Yahoud et de Nasara. Alors, ça c'est la première petite chose. Quatrième petite chose pour aujourd'hui, dans les sons semaines passées, nous t'y apprenons dans l'Égypte, c'est pas Banu Israël, c'est Banu Arabe, Arabe africain. Alors, comment il est arrivé que Banu Israël vienne dans l'Égypte? Comment il est arrivé? Comment arrivé? Là, ça veut dire quand je prends le papier, je dans la case. Pourquoi je finis pleurer là? Je ne me rappelle même que je ne pose là. Là, vous êtes hier au terrain. Et il écrit tout, dans le papier, il écrit tout. Quand Youssouf alayhi salam, Souban Frien rentre dans l'Égypte, et il connaît qu'il son papa encore vivant, il envoie un message qu'il prend son papa, et que Souban Frien, il reste dans l'Égypte. Parce que Youssouf alayhi salam, c'est Pharaon, c'est-à-dire les rois de l'Égypte, et Souban famille, Youssouf alayhi salam dans le puits, je tire les bidons, puis je l'amène ici. Maintenant, Astérie l'amène dans l'Égypte. Youssouf alayhi salam, tu peux rester dans l'Égypte. Quand Youssouf alayhi salam, quand il prend son papa, comme on connaît que Youssouf alayhi salam pas de mot, il prend son papa avec son frère, avec son maman, il l'amène dans l'Égypte. Là, ça veut dire Banu Yaqub. Banu Israël, c'est Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam, c'est garçon de Ishaq alayhi salam. Ishaq alayhi salam, c'est garçon de Ibrahim alayhi salam. Clair? Alors, c'est là qui Banu Israël, enfants de Yaqub alayhi salam, je ne rentre dans l'Égypte. C'est-à-dire là, Banu Israël pour venir dans l'Égypte. Créer ça? Ça nous tient à penser la semaine passée. Alors, je connais, pour nous comprendre qui peut arriver dans l'histoire de Moussa alayhi salam, là, nous devons comprendre ça. Et nous tient ici trouver l'universalité l'islam. Parce qu'il dit que Yaqub alayhi salam, tu peux demander souvent un garçon quand il peut mot, c'est l'islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Et digne de ban anbiya alayhi musallam, ça c'est une affaire parmi ban information pionnier qui nous bizin comprend bien qui tout ban anbiya alayhi musallam zo digne ti l'islam. L'étant autres enfants déviés, c'est ça qui peut dévier? C'est ban kafir qui peut dévier ou c'est ban musulman qui peut dévier? C'est pas de musulman. Quand les enfants Adam alayhi salam dans l'histoire de l'islam, on peut expliquer là. Quand les enfants Adam alayhi salam, ils ont adopté, ça veut dire les enfants, on peut dire petits enfants, descendance. Quand maintenant ils ont adopté l'idolâtrie, qui dit qui les enfants Adam alayhi salam qui étaient? Islam. Hein? وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Dans le Coran, il dit quand des garçons de Adam alayhi salam présentent une offrande, une courbanie à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il accepte pour un, il résiste pour un. Ça veut dire qu'il y a une ibadat qui appelle faire courbanie. Qui veut faire courbanie? Qu'est-ce que tu sautes? Qu'est-ce que tu apprends ça? C'est dîn Allah subhanahu wa ta'ala. Et garçon qui dit l'aqtulannak, c'est lui qui se courbanie pas accepté, il dit à son frère qui répond lui, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, qui Allah y accepte seulement action de man muttaqin. Ça veut dire tu as une affaire avec le muttaqi. Pour une affaire avec le muttaqi, ça veut dire il a une instruction qui besoin mettre en pratique. Ça veut dire qu'il dit de man enfants de Adam alayhi salam, c'était l'islam. Les tambana adopté idolâtrie, c'est là qui a adopté idolâtrie. Mais peine les autres religions jusqu'à l'heure.
Puis même les autres dimons jusqu'à là, et nous disons Adam et Salam, et ce sont des enfants, et ce sont des portes, ce sont des petits-enfants, Batidja. Mais quand pour gagner les autres dîmes, ça veut dire que c'était des enfants de Adam et Salam qui ont adopté l'idolâtrie. Ça comprend ça, template là, il est important pour comprendre qui peut passer dans nous l'époque aussi, et qui passait dans l'époque de Ismaïl alayhi salam, et dans l'époque de Quraysh Makka, c'est-à-dire les petits-enfants de Ismaïl alayhi salam. Alors, c'est pour ça qu'il nous peut apprendre concernant l'histoire de Moussa alayhi salam, afin que nous trouvions une déviation qui est née de notre iman, une déviation qui est née de notre action, une déviation qui est née de notre ibadat et de notre caractère, afin que nous, Mohammed sallallahu alayhi salam, soyons ummat, ban qui poursuivent l'enseignement Coran, je pas pour tomber dans ça avertissement qui nous rassoule fin donné, sallallahu alayhi wa sallam, qui majorité musulmane nous poursuivent le pas de ban communauté précédente. Clair? Mais quand Rasoul Samy nous poursuivent le pas de ban communauté précédente, nous poursuivent eux 10 dans action, ou ça nous poursuivent dans tous les erreurs qu'ils ont fait, nous pour faire pareil. Aïe là. Astier, quand nous poursuivons dans une erreur de iman, conception, iman lo Allah, de façon amène iman lo Allah, ce qu'on appelle akida. Akida, c'est façon amène iman lo Allah. Quand nous poursuivons juste dans une petite action, ou ça nous poursuivons dans un grand petit tout. Comment nous connaissons ça? Ça, Juhra Dabbin, qui nous poursuivons pareil dans la case des ors, hein, peut montrer à qui point nous poursuivons. Dans le riwayat, Cheikh Albani, rahmatullah alayhi, il dit qu'il y a une riwayat authentique. Il dit que si parmi Yahoud avec Nasara, et Nakikan il fait zina avec son maman, Rasoul Sassam il y a deux mots ummad, parmi Manjimoun qui peut faire zina avec son maman. Il n'est arrivé pas arrivé. Nous sommes musulmans là. Il n'est arrivé pas arrivé. Il n'est arrivé. Même lui pas beaucoup, mais il arrive lui. À ce point nous vous suivons. Alors c'est pour ça qu'il nous vient apprendre l'histoire de Moussa alayhi salam. Et nous trouvons que quand Yaakoub alayhi salam, il peut quitter Dunia, il peut aller. L'une fait des affaires. L'une demande qui dit nous pour suivre comme mot, ben l'Indien nous pour mot l'autre dit à l'islam. Qui ibadat nous pour faire? Nous pour faire ibadat. Ilahaka, toi tu ilah, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaqa ilahan wahida. Nous pour faire ibadat. Toi ilah, qui est aussi ilah de Ibrahim, Ismaïl, Ishaq. Ça c'est un seul ilah, Rabbul Alamin. Nous pour établir ibadat. Ça c'est qui était? Ça c'est Moussa, Yaakoub alayhi salam. Conseil libre de nos enfants quand ils quittent Dunia. Là, Banu Israël, Banu Yaakoub, ça veut dire Israël. Quand nous disons Banu Israël, c'est Banu Yaakoub. Yaakoub, sont nos enfants. Maintenant, dans qui côté là? Dans l'Égypte. Quand nous lisons le Coran, première l'étape qui explique nous, c'est explique nous qui Pharaon peut faire dominer avec Banu Israël. Pharaon, qu'il peut faire? Dominer. Ça trouve dans Surah Qasas. Première fois que le Coran mentionne l'état qui, quand ben Youssouf a.s. finit avec son maman, son papa et son frère dans l'Égypte, Misr, dans l'Égypte, première nouvelle étape, c'est dominer qui Pharaon peut faire avec Banu Israël. Et nous pouvons dire qui fait, il fait dominer aujourd'hui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Qasas, ayat 3, Natlu alayka min naba'i Moussa wa Pharaon bil haqqi li qawmi yu'minun. Là, nous trouvons. Deuxième raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala il enseigne nous concernant l'histoire, l'événement de Moussa alayhi salam avec Pharaon de Coran. Je te connais, Banu Israël sur l'histoire de Coran, lit dans sa 14 sourates là. Mais seulement Pharaon prenait l'étape que Pharaon sur l'histoire pour finir. Quand? Moussa alayhi salam, Banu Israël avec Pharaon. Prenait l'étape Pharaon pour finir. Sur l'histoire terminée quand? Quand il noyait. Seulement Banu Israël continuait. Et nous pouvons apprendre qui Banu Israël il fait quand Allah subhanahu wa ta'ala il finit d'une autre victoire, le Pharaon. Et là, il vient plus beaucoup de catastrophes parce que nous, insans, quand nous pensons qu'on gagne faveur à Allah, nous disons, oh Allah, si tu fais faveur, le moment de demain, les enfants Allah, moi pour faire tahajjud, moi pour garder rosa lundi, zedi, moi pour faire 5 fois namaz, moi pour faire 5 fois namaz dans masjid, moi pour faire lire avec le premier takbir, tout. Une fois Allah donne faveur là, il oublie. Ça, insan, n'oublie. C'est pour ça qu'il nous a fait Jumma. C'est pour ça qu'il nous a donné Azan. C'est pour ça qu'il nous a fait explication. Pour nous rappeler nous-mêmes, nous tous nous rappeler nous-mêmes. Wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Dans sa ayat Quran de Surah Qasas, là,
Allah subhanahu wa ta'ala dit natlu alayka min naba'i Musa. Nous peut réciter le auto aksana. Le auto aksana. Hein? Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans sourate Yusuf, premier ayat, deuxième ayat, Allah dit qui avant me donne toi récit de l'histoire de Yusuf, tu pas tu connais l'histoire de Yusuf alayhi salam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il pas comment il parle connaître l'histoire de Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam qui banané, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, après combien mille bananes il vient dans il fait paraît dans Quraysh Makkah. Alors ça natlu alayka là, c'est un wahi qui Allah peut donner Rasoul sallallahu alayhi wa sallam concernant l'événement et l'étape de Moussa alayhi salam, Pharaon et Banu Israël. Clair? Qui peut dire Naba'i Moussa wa Pharaon bil haqqi, avec vérité ça l'histoire li qawmi yu'minun. Qui veut dire yu'minun ici? Qui n'amène iman? Nous n'amène iman l'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait il peut dire li qawmi yu'minun pour qu'il nous gagne certitude qui victoire à la fin li pour dîner Allah subhanahu wa ta'ala. Li pour Allah, li pour man mu'minin. Nous quand nous pouvons lire l'histoire, nous pouvons trouver qui victoire, succès, falah, najah, gain akhirat, les pouvons les mu'minin. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, puis de nous, ça les sons là, quand nous pouvons lire ça, nous pouvons prendre les sons qui bisent, afin qu'il ne nous pas tombe dans un avertissement qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin de nous. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifata minhum yudhabihu abnahum wa yastahi nisa'hum innahu kana min al-mufsidin. Allah subhanahu wa ta'ala, les dieux qui Pharaon à la fil ard, ils commencent à faire takabur et tajabur. Takabur et tajabur, ils montrent les yen jabarut. Ça veut dire yen, en créole, nous allons dire un qui montre qahar, les domination. Domination l'eau, Banu Israël. Ils font domination aux autres. Ils font l'oppression aux autres. Ils gardent eux dans un niveau de connaissance qui est faible. Le Coran, surah Zukhruf. Qu'il dit fait? Fastakhaffa qawmahu veut dire fastajhala qawmahu. L'ingarde sa communauté, fastarhaba qawmahu. Moussa et Pharaon, l'ingarde sa communauté, ça veut dire Banu Israël. Et de cette époque, l'ingarde a un niveau de connaissance très faible. Qui fait? Hein? Trop facile pour dominer eux. Ou bien l'impressionne eux. Qui fait? Vous êtes pire. Un, côté connaissance, gardez-vous dans faiblesse, gardez-vous dans tiki de connaissance pour être capable de contrôler vous. Deuxième, et ce qui est important, comme vous dites, ça m'a pas envie, de similariser cette chose-là avec ce qui peut arriver de nous à l'époque. Seulement, je pense que vous êtes assez intelligent, mon frère, mon soeur, pour nous comprendre ce phénomène pharaonique. Qui phénomène pharaonique? Des affaires. Ayat Quran dit Fastakhaffa, Qawmahu. Fastakhaffa veut dire deux définitions. Fastarhaba, fastajhala. Qui veut dire ça? Soit l'in pression zut, l'in terrorise zut, un terroriste psychologique, ou bien garde zut dans un niveau de connaissance très faible. À un moment que l'in garde zut, ça qui est arrivé là. Maintenant, obéir l'in. Quand il dit, Ana rabbukum al-a'la, qui est Banu Israël dit, Anta rabbukum, rabbuna al-a'la, ouais, t'es nous rabb. Qahara, jabbara, takabbara, wa tajabbara, Pharaon. Les fins fait takabur, les fins fait jabarut. Jabarut, ça veut dire domination. Hein? Zis pour les gardes faibles. Ensuite, qu'il fait, écoute ça bien. Waja'ala ahlaha shi'a. L'in fait, ils ont un petit groupe. Qui fait? Qui se tape de dire haka divi? Qui se dit? Divide and rule. Conception pharaonique. On appelle ça phénomène pharaonique. Là, je suis capable d'écrire le phénomène pharaonique dans le Coran. Numéro 1, garde du monde dans un ticket de connaissance pour les cas contre les autres. Numéro 2, faire un terroriste psychologique. Qui fait besoin de faire? Qui fait besoin d'empêcher un du monde à l'écoute d'un autre du monde causé? Qui fait besoin de faire ça? Tout du monde libre, il y a l'écoute quand il y a envie. C'est moi qui peux poursuivre. Personne n'est poursuivre qu'à Allah ou qu'à le Rasoul. Je ne suis pas capable. Ziskalir, nous disons Ziskalir. Moi, en tant qu'un petit frère, Asraf Janou, mon papa est capable de concevoir un djimoun puis assiser, mais tout un djimoun puis expliquer l'idine. Ensuite, il dit, je vais vous donner une preuve qui nous gagne droit à la côte de Kabab. Qui se prête? C'est quand il y a une preuve là. Qui se prête à attendre, je, quand il y a une preuve là? Qui se prête à attendre? Hein? Coran Hadith. Ce preuve qui était dit, dans 1000 Hijri, un djimoun il trouve rêve, dans rêve.
Ce qui grave là-dedans, ce n'est pas sa pression qui peut dire ça. Ce qui grave, c'est au matin qu'il a accepté. Il peut dire preuve là, mon père m'a une preuve. Mais qui veut dire preuve dans le dîne? Il va dire preuve. Qui veut dire preuve? Quoi, le hadith? Même ça fait pour normalisation, relation avec Israël. Un dimon est venu, il explique que nous faisons faire normalisation, relation. Qui fait? Qui preuve ça? Ayat Quran peut dire le contraire. Hadith peut dire le contraire. Sunnah peut dire le contraire. C'est moi, nous peut dire ça. Quand on donne sa preuve, la personne ne peut pas demander, mais quand sa preuve va sortir, nous suivons même. C'est un petit bon Dieu de Djouma aujourd'hui. Zou Kiyama, nous, les musulmans qui nous suivent sans qu'ils nous servent de l'intelligence, nous vous disons Inna ata'na sadatana wa kubara ana fadwaluna sabila. Nous suivons nos grands, nos prêcheurs, nos alims, nous allons amener nous de Jahannam, nous allons ensemble. Et beaucoup de Coran explique ça, ça scénario que nous avons fait pour dire nous suivre. Pas seulement, nous avons 40 ans. Quand nous avons Djouma, nous donnons 10 ayats du Coran, 10 places du Coran, quand Allah explique quand on est faible, je vous dis, nous suivons, on est faux, vous dites, nous ne connaissons pas. Toi qui te fais, toi réponds, toi. On te approuve sa action, normalisation, relation avec Israël, toi qui approuves ça, toi approuves sa qualité d'enseignement, toi approuves qui, Endimoun, l'infer de ce système de commerce, l'infer l'alcool vin halal. Il fait l'alcool, vin halal dans ce système de commerce. Il n'est pas pareil avec les rois boire l'alcool. Il n'est pas pareil avec MBZ boire l'alcool, ou ça MBS boire l'alcool, ou ça CBS boire l'alcool, ou ça ABS boire l'alcool. Et il n'est pas pareil qui dans ce système de commerce, il légalise, it is legal to sell alcohol. Pareil ça. Le talas c'est action d'un individu. Le talas c'est un système qui divise, représente Coran avec Sunna. Dans la place qu'il représente le Coran avec Sunna, il met la loi qui les musulmans, Mujma alay, agreed upon, qui tout musulman, il a consensus qu'il a l'alcool haram, il fait arriver une légale de ce système de commerce. Qui est arrivé là? L'État nous cautionne ça, c'est-à-dire. L'État nous cautionne sa action là, ou ça nous cautionne sa gouvernement là. Est-ce qu'il peut y avoir un Coran qui dit, quand on fait haram, bin halal, nous l'acceptons. Quand on fait haram, bin halal, nous l'acceptons. Il y a un Coran ça? Hein, ça n'a dit sur le Coran. Qu'est-ce qu'il fait ça? Ben, qu'est-ce qu'il fait? Faire halal bin haram et haram bin halal et accepter là. Qu'est-ce qu'il fait? Yahoud Nasara. Ayat Coran, qui est ayat Coran? Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Et tafsir sa ayat là, Rasoul Salam qui fait. C'est qui plus joli encore. Tafsir sa ayat là qui fait halal bin haram. Et fait haram in halal. Et bien, la communauté là, il approuve sa action, il cautionne ça. Ça, c'est l'explication de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. L'idée, c'est de faire ibadat de sa mandimoun là. Quand je accepte, maintenant, fait haram in halal, je approuve. Quand maintenant, fait haram in halal, je approuve. Dans sa façon, je fais ibadat pour sa man prête et que sa man moun là. Ça, c'est ayat Coran. Ici, Coran peut dire وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَ يستضعف طائفة منهم. Alors, il fait une faible. Au moment où il divise Banu Israël, il fait une faible. Derrière, il désapprécie domination, l'oppression, zulum, garde de connaissances faibles, terrorise psychologiquement. En plus, il divise en groupe qui fait là, les là, il a fait ce qu'il a envie. Et qu'il peut faire يذبح أبناءهم. Les petits ont des garçons. ويستحيي نساءهم. Il veut dire ويستبقون نساءهم. Qui veut dire ويستحيي. Quand vous entendez que l'Iyya Surah Baqara, Yestahye Nisa'ahoum, veut dire qu'il peut laisser une madame et qu'il peut tuer les enfants. Pas les messieurs, mais les enfants. Quand Moussa alayhi salam a stéré là, stéré là, l'étape que nous étions là, qu'est-ce que tu dis? Il peut encore paraître là. C'est pour ça que Banu Israël, dans Surah Araf, il a dit à Moussa alayhi salam, Ya Moussa, أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. بنو إسرائيل جاء موسى عليه السلام تكون موسى. avant de venir ici nous tu peux gagner tuer. ton venir ici nous peux gagner tuer. ça y est ça y ça ça fait qui tue garçon et laisse madame et fait dominer là. Pharaon il fait ça deux fois dans l'histoire de Banu Israël. une fois avant naissance de Moussa عليه السلام. une fois quand on a mis iman au Moussa عليه السلام. deux fois dans le Coran. Right là. يذبح أبناءهم لتوي زمان نوفوني غاسون ويستحي نساءهم لتوي زمان منام إنه كان من المفسدين فرعون تيبامي من كيفية فساد
Ah, innahu kana min al-mufsidin. Mufsid. Ça veut dire, mufsid veut dire fan façade. Oui, non. Mufsid qui veut dire? Li fan façade. Li pas pareil avec un rajulun fasidun. Un rajul fasid veut dire un dimoun qui lit dans façade. Comprends ça bien, mon frère, bien sûr. Un fasid, un dimoun lit dans corruption, lit dans façade, lit dans des autres. Li. Quand on dit un mufsid, non. Un mufsid, ça veut dire li, non. Li puis implémente façade. L'invite pour faire distribution façade. L'invite pour faire des autres de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Pour faire dominer le Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Faire l'oppression de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Azo dizou, man musulman dans le monde, pas peut subir ça. Domination insane. Pas peut subir l'injustice, l'oppression, division. Pas peut arriver, puis arriver partout. Mettre en prison. Combien de gens causent la vérité, mettez-les en prison. Combien de gens déboutent contre l'oppression, zulum, mettez-les en prison. Pas peine à ce là. Dans nos dunia, à ce la peine. Mais qui fait un ali? Dis-moi qui fait un ali? Qui fait un ali? Mon fils donne une autre réponse. Qui fait? Hein? Ah, Rasoul Sahim, il dit. Rasoul Sahim, il finit de dire. Je le poursuive. Mais nous poursuivons de tout qui chose. Ça veut dire pour une affirante de nous l'époque. Et pour une abonnée aussi de nous l'époque. Et pour la magicien aussi dans l'époque, et pour un ban mala, c'est un mot qui est beaucoup mentionné dans l'histoire de Moussa Sam, c'est ban high people, esteem people qui autour de Pharaon. Nous rappelons dans nos jours qui était ce ban advisors, ce ban ministre, ce ban qui était ce ban ministre et ce ban advisors. Dans l'histoire, Moussa Sam, ban Israël, combien parti, il y a how many parties, il y en a un Moussa Sam. Nous avons un ban Israël, nous avons un Pharaon, ensuite nous avons un advisor de Pharaon. Ça nous peut, à chaque fois qu'il nous peut procéder, dans chaque étape, nous besoin avec ces quatre parties-là dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Alors, innahu kana min al-mufsidin. Qu'est-ce que veut dire mufsidin? Mufsidin ne veut pas dire qu'il dit mouna ni peut donner bribe, ou ça il prend bribe. Non, il peut instituer bribe, il peut instituer zina. Les biens situés bas au code de l'alcool, les biens situés la musique, les biens situés zina, les biens situés tiers la loi mahram, les biens situés normalisation relation avec Ban Yahoud. Et Ban Yahoud qui là-bas là, dans Israël, là, c'est Ban qui peut coquer la terre ça. Pas parce que Yahoud qui n'a même iman dans l'Europe, et n'a même Yahoud qui n'a même iman, pas parce qu'on nous la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, pas empêche nous dans le Coran pour nous faire justice avec envers les non-musulmans. Non. Nous obliger, nous dire, il enseigne nous pour nous faire justice envers les non-musulmans. Justice. Et bien agir aussi. Pas juste justice. Bien agir avec le non-musulman. Qui s'en a qui a l'un empêche nous avec l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala. Et la différence entre un non-musulman, un kafir, avec une différence avec l'ennemi Allah, man a'da'ullahi azza wa jal, man l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalla'u. Alors Pharaon ici, c'est qu'Allah peut dire concernant lui, il ne peut pas dire qu'il tient du monde qui est content pour moi, il tient du monde qui est content faire zina. Non, mufsidin, ça veut dire les fans des autres de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalla'u. Qui a l'un décidé? Qui n'est arrivé à cette terre? Qui peut arriver là? Allah dit, nous ridons à Namun à la ladine stud'ifu, fil ardi wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum al-warithin. Qui veut dire ça? Allah subhanahu wa ta'ala a décidé avec cela sa zèse. Ça m'a dit, mon qui peut être dominé, qui peut être oppressé, Rabbul Alamin a décidé pour banavin dirigeant, pour banavin ban ministre, pour banavin ban représentant insan de la terre. Sa décision Allah. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala lui donne insan, lui pour vivre sa boule là 180 degrés, imaginez Tesla qui peut aller à l'extérieur. L'eau là. Hein? L'eau ban faible. Assez pour... Ouais, longtemps que tu peux dire ban faible là, que tu peux dire, oh Moussa alayhi salam, nous peut tout nous, nous peut faire dominer nous, nous ne pouvons pas mettre dîner en pratique, nous ne pouvons pas vivre. Beaucoup de gens, quand ils restent dans Maurice, ils ont une extra excuse pour lui faire haram. Beaucoup de musulmans, laisse donc musulman. Quand nous périssons dans Maurice, nous tout connaissons la charia. Nous tout connaissons un pays libéral. Nous tout connaissons un pays séculariste. Nous tout connaissons un pays démocratie. Nous tout connaissons un pays qui est halal, haram dans le système de diriger.
Beaucoup de musulmans peuvent croire et il y a une image qui calibre dans Maurice. Ça veut dire beaucoup d'actions, une vie permissible pour lui. Ça veut dire que qui nous pouvons faire nous dans le pays. Ça veut dire qu'il n'a pas fait un amende, qu'il n'a pas couvert, qu'il n'a pas pris l'intérêt, qu'il n'a pas aucun du monde, qu'il n'a pas aucun travailleur parce qu'il nous dans le pays qu'il peut pas chérir. Moi, je me suis réfléchi qu'il y a beaucoup de monde qui peut marcher dans la terre. D'après Sharia, l'infinimo. Vous comprenez cette phrase? Qui veut dire ça? Sa petit frère, je me suis réussi à comprendre. Je me suis donné un petit cadeau. Qui veut dire ça? Comment dire? Beaucoup de monde qui peut marcher dans la terre. D'après Sharia, l'infinimo. Qui veut dire ça? Ça veut dire si tu as une implémentation Sharia tout le monde, qui est une sagesse. Qui a du bien pour l'insan et sa société, ça a du monde qui peut faire façade, ça a du monde qui peut tuer du monde, ça a du monde qui peut vendre la drogue, tu peux finir tout, mais pas tu peux venir de la terre. Il peut continuer aussi de la terre là, parce qu'il fait, à son disou, tout du monde connaît dans sa case là, sa madame là, il peut inviter un l'ennemi Allah ensemble avec son monsieur pour lui faire la porte tous. Tout du monde connaît, tout le musulman connaît, personne ne va faire ça. Qui fait ne va faire ça? Nous tous connaissons, il peut faire un zina qui est atroce. Avec participation, monsieur et madame ensemble, en plus de permis une troisième personne. Nous tous connaissons qui la case. C'est moi qui fais le bagarre à faire. Qui fait? Pena Sharia. À ce moment-là, qui dit, vous connaissez, vous obéissez la loi du pays, obéissez la loi du pays. Continuez à dire ça. Vous ne connaissez pas qui côté, ça n'a sorti qui dit ça. Oui, nous obéissons la loi du pays. Si Pena désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, nous respectons sur la loi. Mais c'est moi qui, quand il y a un Jimmy, il dit gain droit, pas besoin de couvert. Je dis non, mais il dit gain droit, pas besoin de couvert, on va pas couvert. Bon, ben, Jésus, nous, les musulmans, nous avons besoin de réviser nos imams. Nous avons besoin de réviser nos compréhensions dans le dîme. Est-ce que nous, vraiment, nous sommes contents un jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce dîme, qui prévaloir, Sharia, qui peut gouverner nous. Quand nous disons Sharia gouverne, nous ne pouvons pas dire saute les coups. Nous pouvons dire la justice peut prévaloir, le méritocratie peut prévaloir, le respect peut prévaloir. La chasteté peut préserver, droit bandi moun peut préserver, chacun peut gagner ce droit, musulman ou non musulman, quand tu prends la charia tout là, et il finit prouvé dans l'histoire, quand l'islam il dirige l'Inde, il dirige Cordoba dans l'Espagne, comment tient la justice? Mais est-ce que nous, Salman, vraiment, nous sommes contents ça? Vous êtes été? Ou ça nous contente pour la charia? Et du monde là, il dit, vous connaissez pas, il n'y a pas qu'à faire namaz à 20 jours décembre, pas qu'à faire namaz à ça, dit tout du monde là, il dit, vous avez autre chose vraie là, il dit, pas qu'à gagner le temps, manger, je ne suis pas laisser nous manger. Je dis, toilette aussi, tu peux aller? Je dis, non, toilette, moi aussi, allez. Je dis, tu ne veux pas toilette aussi? Je dis, pas qu'à toilette, moi, je peux faire ça, l'aime dans le magasin là, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, il dit, non, tu as besoin de toilette. Mais comment ça va arriver ça? Comment ça peut arriver ça? Vraiment, c'est le propriétaire qui peut empêcher ou ça dit que c'est un échecal? Il y a un problème. Comment ça peut arriver ça? Ça, mon frère et ma soeur, chacun parmi nous, il besoin de connaître sur la case, avec son mari, avec ses enfants, assisé après Maghrib. Fini, vous connaissez les musulmans, si pas gagné ce dîner après Maghrib, révolté. Dans Maurice, il y a tout, on veut dire. Si j'ai dit après, nous pouvons faire les soins après Maghrib, mais là, quand tu es sorti dans ma château, manger. Je ne connais pas pour la personne dans ma zine. Ni pour un dirigeant, ni pour un mutawalli, ni pour un imam, surtout. S'il n'y a pas gagné ce manger, il n'y a pas gagné ce petit déjeuner, il n'y a pas gagné ce dîner trois heures, il n'y a pas gagné ce déjeuner avant Zohar, Zohar, je dis, on est venu, 11h30, il finit de déjeuner, tout est venu. On dit, 11h30, nous, quand nous sortons du master, nous allons manger. Là. Qui fait parce que nous besoin de manger? Qui parle, on peut dire, nous ne pas manger. Non, on ne peut pas dire, pas manger. Pas ça que vous pouvez dire. Vous pouvez dire, nous, le principe qui nous finit établi. Principe qui nous établit là, les plus faux qui principe qui table, sont dans tout ça. Ça, pas qu'à tousser. Vous connaissez quand moi, je connais pas qu'à tousser? Je connais quand? Comment vous avez ça, moi? Par l'autre, Allah, 25 bananes, mon tour a dit, révolté à cause de manger, ce work, ce dormi. Dans 5 jours, Hadji, ça, vous pouvez dire, là? Ça 5 jours Hajj qui nous peut expliquer là, la 5 jours Hajj là, ça c'est une catastrophe ça. C'est une catastrophe pour tout un djimoun qui Allah, il peut dire Allah choisit moi dans moi là. Allah choisit toi, comment toi, Allah choisit toi dans toi là. Non, tu tiens à cache de le payer de l'unis. Allah choisit, comment toi, Allah choisirait. Non, tu ne fais une attention, tu n'as casse, tu n'arrêtes de le payer, tu n'as une sortie dans ICC, tu deviens Hajj. Quand vous avez une réaction, Dimoun dandine tout. Ou reste, ou pas capable, moi dans 25 bananes, je ne sais pas si vous avez un livre qui m'a trouvé dans Hajj. 25 bananes par l'eau d'Allah.
depuis 1994, je n'ai pas encore l'Arabie, mais je suis allé faire Hajj, je suis trouvé, 96, mon réel fait Hajj depuis Maurice, je n'ai pas encore l'Arabie, à partir de 99, presque tout l'année. C'est une catastrophe totale. Bien rare, tout le monde est dans Hajj, depuis assis de ce coin, depuis attendre son manger, quand venir, il prend son manger, papa gagne, il reste tranquille, il prend son pas chance. Sinon, révolte. Ban premier l'année, ban premier l'année qui nous donne, comment on appelle ça, service qui peut gagner, c'était là. Comment appelle ça? Hein? Non, ça service, comment on appelle ban? Et spécial package qui peut gagner là, ça veut dire buffet ouvert, Pepsi partout. Je vais dire autre affaire. Qui font majorité a dit Allah complice ce qu'ils m'ont trouvé. Ils passent là, ils passent contre sa frisière, ils ouvrent un zid, ils boivent des gosiers, ils posent le désmini, ils disent qu'ils vont lui donner l'autre frisière. Ils réouvrent, ils reboient la matière, ils reposent comme ça. Allah peut dire, Koulou, Washrabou, voilà tout ce qu'il faut. Ayat Coran peut dire, voilà tout ce qu'il faut, par vers gaspillage. Gaspillage, c'est travail shaitan, dit dans Hajj, dans l'état Ihram. Moi, j'écoute un djimoun dans l'état d'Ihram. Et il y a une difficulté, des patins, des rentrées, place par place. Vous voyez ce qu'il dit? Et ce gros zouré maman, dans l'état d'Ihram, dans Mina, il dit, qui m'a bien fier de ça, ici, là, là? Hein? Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, pour tester nous. Dans la dunya, c'est darul imtihan. Dunya, c'est darul imtihan, tant je n'oublie. Et imtihan, là, vous connaissez du monde, vous connaissez des affaires, juste pour vous comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne, Banu Israël, l'autorité, il vous donne une victoire, il vous donne une position, vous pouvez être dirigeant. Allah dit, l'inandura kayfa ta'amaloun, afin qu'ils nous guettent, qu'ils vous fassent astir. Parce qu'avant qu'ils vous gagnent sa liberté là, avant qu'ils vous visent, qu'ils vous peuvent dire, Fir'aun, Fir'aun, tout ça fait Fir'aun. Nous avons Fir'aun, Fir'aun. Un bon Fir'aun, 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 Fir'aun de Zouila qui est arrivé. Alors nous, musulmans de Maurice, c'est là que je peux dire, moi, dis, nous, tous avec qui nous, mais nous dans Maurice, tu connais Maurice, c'est un pays minorité, tu connais, en tout cas, ça veut dire qu'il y a un droit à faire ce qu'il y a envie, ça veut dire qu'il y a un droit à faire Noël, il y a un droit à danser, il y a un droit à mettre son madame danser, jusqu'à même qui musulman, il y a un droit sans madame de danser, tout qu'il y a à danser. Il donne son madame, son camarade, il prend son camarade, son madame. Donc, je sais comment quelque chose qui m'a pas connu, c'est pas mon dans rêve, il me raconte. Non, non, ça va me capter. Moi, mon atteint. Personnellement, mon la case, mon atteint sa qualité Christ. Qui fait tout ça là? Qui fait? L'absence de dîn Allah subhanahu wa ta'ala prévaloir. L'absence de règlement Allah subhanahu wa ta'ala. L'absence de shariatullah azza wa jal. Qui ne vient pour le bien-être de la société. Qui ne vient pour la facilité de la société. Il vient pour que l'insan vive bien dans la dunya et il vive bien dans l'akhira. Mais nous, quelque chose qui peut dire nous, mon frère, nous, dans sa leçon là, est-ce qu'il vraiment nous sagrin qui paye dans la sharia ou bien nous comptons payer dans la sharia? Si tu peux, il y a un problème. Pas qu'à faire ce qu'il nous envie. Nous pas qu'à dire ce qu'il nous envie. Alors nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, qui nous garde avec iman, inshallah. Ensuite, nous vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il finit, qui fait de vous trouver, qui fait des petits retouilles dans les enfants? Qui connaît qui fait? Qui fait des petits dans les enfants dans Firan? Dans les garçons, qui fait des petits retouilles? Hein? Sa raison principale, c'est qui? Tu connais qui doua Ibrahim alayhi salam, et dans le Coran, il y a ça, qui lui pouvait dans ce ban descendance pour qui pour venir ban en charge ban dirigeant et ban qui capable venir les rois ban qui en charge. Alors il besoin tout pour personne pas prendre sa place. Ça c'est raison principale inchallah. Nous voudrons ça dans le hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam expliquer qui fait ban tu peux tuer ban enfants. Nous voulons aller direct depuis nos Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Là mon pan réussi termine sa note qui avec Jot là, nous arrivons quand qui fait tu peux tous les enfants, pas fait rien. Ensuite, nous tiens là pour faire que Moussa Al-Salam prend naissance, mais pas fait rien la semaine prochaine. Nous pour expliquer qui fait tu peux tous les enfants. Ensuite, dire non, comment j'ai oublié. Pas mal du monde qui vient nous faire des sons. Au contraire, bien personne pas mal se penser dire. Tout le monde bien dans la semaine prochaine qui date ça.
Oh, 25. Non, vous avez raison. Personne n'a besoin d'acheter. Vous connaissez, Noël parrainera parce que c'est la célébration naissance de garçon Allah. Grave ça. Allah peut dire les ciels, tu peux éclater, la terre, tu peux fan. Pour sa cause, garçon Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même musulman, pas qu'à sa tête. Il fait pas qu'à sa tête parce qu'il n'est pas connu dans le Coran, peut dire, quand nous peut dire Allah est un garçon, les ciels, tu peux fan, la terre, tu peux fan, les ciels, tu peux déchirer. La Sourate Maryam. Alors nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم أحينا على ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمتنا على ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واحشرنا تحت لواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وادخلنا الجنة الفردوس الأعلى مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ووفقنا للعمل بما علمتنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.